pas lancer un petit record pour regarder un, pour pouvoir montrer un petit peu le jeu du coup. Du coup, alors on est sur la démo de Dome Keeper à la demande des viewers, de Squash Belge en particulier, mais de Zikino aussi. On regarde un petit peu ce que ça fait. Bah du coup normalement Zikino, je pense que la victoire c'est si on arrive à trouver la relique. Hein. Après peut-être que c'est extrêmement compliqué. On en lâche un peu là. Faire un peu de place. Passer. Un petit peu de place pour pouvoir remonter plus facilement mes trucs parce que c'est assez compliqué. On est sur un jeu alors que je découvre complètement hein, qui consiste à là on peut pas creuser ok. Il consiste à défendre notre petit dôme qui est ici contre des méchants extraterrestres qui vont régulièrement venir l'attaquer. D'ailleurs on voit avec la jauge en bas à droite que ça va pas tarder, donc on va se préparer à combattre. On arrive par là. Oh, il faut qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Vache, ils sont costauds. Ouais. On va améliorer la vitesse. Parce que clairement, c'était compliqué là. Et alors, ils ont toujours l'air de venir de là, donc on va laisser le laser ici. Je... Ah, ils viennent toujours de la gauche. Bah, on va se laisser le laser là, alors, histoire de gagner un peu de temps. Celté de Xenos, exactement. Foutu méchant. Et vu qu'on commence quand même à aller assez loin. Ah, ils viennent pas toujours de la gauche. Bah, écoute. Si je perds à cause des mauvais indices que vous me donnez dans le chat et que je comprends mal, et ben. C'est la vie. Pour l'instant, on a eu 3 attaques et ils sont toujours venus de la gauche, quoi. Est-ce que vous savez s'il y a moyen de réparer le dôme plutôt que simplement l'agrandir, enfin améliorer sa vie? Ah, là on peut pas creuser là. Alors il faut peut-être une amélioration. Ouais, là c'est plus costaud. Ah, des cristaux, parfait, on va faire un chemin par ici. J'imagine que ça va pas me tomber dessus. Non. Allez, en avant, oh c'est lourd. On remonte ça. Il y a une attaque. Bordel, comme par hasard ils arrivent de l'autre côté, parfait. Alors, battle, ah non ils arrivent des deux côtés. Merci de décéder. Vache. Il est un petit peu en galère notre notre dôme là. Alors, on peut réparer avec du cobalt. Parfait. On a trouvé du cobalt, on va le faire. Ça c'est quoi? On peut le rendre plus costaud, mais il nous faudrait un cobalt de plus. Bon, au moins on a réparé un peu. Il y a un détecteur de métaux. Ah, qui serait probablement très intéressant, effectivement. Allez, venez-vous, on va vous remonter. Alors, je fais des petits raccourcis aussi parce que ça permet d'être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache. Alors, avec ça, on va pouvoir booster sa résistance un petit chouille. Le quatrième, c'est bon. Tac tac. Voilà. 90% de dommages. Par contre, il nous faudrait de l'or. J'ai le temps de descendre. Pas dit, on va rester pas trop loin. Et vérifier qu'il n'y a rien par là. Ah, des trucs bleus. Là, rien. Ok.
Remontons ça. Hop là, avec ça on va pouvoir améliorer notre arbre. Alors j'imagine, ouais, ça c'est de l'eau en fait. Donc ça, il utilise... l'arbre utilise ça en fait. Ah putain, c'est chaud. Le laser qui bouge là. On va se débarrasser de ces trucs là déjà. On va se débarrasser de ça. Merci de décéder. Ils font mal en plus hein. Du coup, on lui a mis un truc d'eau, il l'a consommé et il nous en reste un. On va réparer un coup. C'est parti. Ah, on a toujours pas trouvé d'or. Ah bah voilà. Bon, c'est deux petits morceaux, mais... Ouais, je comprends que ça peut être addictif, ouais. C'est un petit peu lent. Je pense qu'il faudrait que l'ingénieur là soit quand même un chouïa plus rapide au début. Et on va pas se mentir, ça manque d'un tuto aussi. Mais je comprends que ça puisse être addictif, ouais, carrément. On va essayer de voir combien de temps on peut tenir, hein. Et on peut trouver la... Bah ça c'est beaucoup trop dur, on ira plus tard. Si on peut trouver la relique, ce sera bingo, ouais. Là on commence à être sur les roches dures là. Peut-être aller voir si avec nos trois d'or on peut pas améliorer un petit peu notre ingénieur là. Allez, creuse. Creuse. Ça va être l'assaut, remonte. Plus vite que ça. Ouais, on sent que c'est un jeu où la vitesse va être absolument primordiale. Hein. J'arrive. La puissance du laser aussi. Et toi, t'as joué que à la démo ou t'as testé d'autres... T'as testé le jeu complet et les différents modes de jeu. Faut 4 pour améliorer notre vitesse. Oh la vache. Bon, on va viser ça. Donc on trouve encore un petit peu de... d'or. Hein. Ici c'était encore assez mou, on va essayer d'aller par là. Ah non, là c'est le bout. On peut creuser, ouais. Ok, on va ramener ça déjà. Pas vraiment le truc prioritaire, ça nous permet de réparer au moins. Ah, on a notre notre boost là. Go! Oh! Qu'est-ce donc que ceci? Profitez qu'on a notre boost pour le péter. Oh, c'est compliqué. Ah, c'est rien, c'est juste un truc, d'accord. Dur. Bon, du coup, pas une priorité tout de suite. Ouais, y a moyen que ça soit intéressant de le tester plus avant. Voir un peu les autres modes de jeu, les autres armes et tout. On va voir un assaut. Remontons. Raccourci pour remonter. Voilà. Bah c'est peut-être l'artefact qu'on est censé trouver, mais autant là avec mon mec... Oula. Ça c'est un gros méchant. Je vous jette des trucs. Fais-le. Ah et lui, tant qu'il est pas en position, on lui fait rien. J'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière la roche que j'ai détruite, mais pour l'instant j'avais pas l'impression que je pouvais en faire grand chose. Juste là, ça ressemble à une porte ou un truc du style, mais c'est tellement dur qu'il va falloir qu'on améliore notre drill avant quoi. Avec le bonus de l'arbre, ça allait, mais sans... faut d'abord qu'on essaie de trouver un petit peu d'or. Je veux un peu plus d'or.
Ah ouais, ça devient dur là. Rendez l'argent. On va pouvoir alimenter notre arbre pour ça de prix. Et venez. Hop. On va prendre le chemin principal et on va arriver juste à temps pour l'attaque. Et en plus on a un fruit. On aura du coup au prochain coup. Alors ils vont arriver d'un côté, on va parier que c'est celui-là. Bande de saloperies. Rendez-vous visible. Et bim. Alors peut-être que un peu de réparation s'impose. Et là, il nous faut de l'or aussi pour ces trucs-là. Hein. On augmente la durée du truc, ouais, mais non, il faut qu'on améliore l'autre drill, absolument. Notre vitesse, l'un des deux, mais... En tout cas, on va prendre ça. Hop. Profiter du petit boost. Et péter ces trucs-là. Go, 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 go. Je sais pas si je vais pouvoir en tuer deux. Casser deux. Ok, deux ça passe, mais on fera pas le dernier. Ah, il est tellement tout lent quand il a plus son boost. Terrible. Normalement, si on veut être optimal, il faut faire deux en deux, deux en deux. Hein, puisque avec la ligne du haut, on voit celle qui est juste en dessous. Avec la ligne du bas, on voit celle qui est juste en dessous. J'ai pas été ultra optimal jusqu'ici. L'or et la bière. Alors c'est trop dur. Pour l'instant, on bouffe des fruits qui poussent sur un arbre. On va dire qu'on n'est pas trop niveau... Niveau bière, c'est pas trop ça quoi. Alors... Pause deux secondes, parce que j'ai l'impression que mon retour est planté. Il s'est passé un truc, quelque chose. Je dois dire merci à quelqu'un. Ouais, c'est un. J'ai pas eu de notif de ce qui s'est passé. J'ai entendu la petite musique, mais j'ai pas eu de notif de ce qui s'est passé. Vas-y, Kino, désolé. C'est l'assaut. Pas vu le temps passer. C'est l'assaut. Vite. Notre dôme, non. Ah, il prend tellement cher. Crevez. En plus, ils sont bien dégueux à soi, les ennemis, j'aime beaucoup. Oh, on s'est tellement défoncé. Il est parti où l'autre là? Ok. Il charge quand il a envie de charger. Bah on va devoir réparer un coup encore. Hein. Ou un autre coup. On va y aller à fond. Ça, on sera full. Par contre, on trouve plus du tout de pépites. Ah, t'as cliqué sur un bouton pour most. Ah d'accord, j'ai pas ça dans mes notifs, c'est marrant. Ça me le met pas dans le fil d'actualité. Ah, notre fruit est prêt. C'est terrible de rien trouver. Dans ce genre de jeu, c'est le moment où tu sais que tu vas probablement pas tarder à crever. Je suis à un de... Une pépite de pouvoir améliorer mon drill là. Ah. Parfait. Ok, on va en prendre juste deux parce que ça va bientôt être l'assaut.
On va laisser tomber la vitesse, on va améliorer notre drill. Hein. On verra la vitesse plus tard. Alors, upgrade. La force du drill, voilà. Et du coup, non, c'est pas ça, c'est ça. La bataille. Il y a un gros tas là. Je peux le taper ce truc là ? Peut-être, mais ça paraît tendu. Et où ? Il réapparaît. Meurs ! On sait bien la petite musique pour prévenir quand c'est terminé. C'est appréciable. On va prendre ça. Et on va foncer faire le troisième, le quatrième truc. T'as viré le bouton pour éviter tout prochain misclic. Bonne idée. Oula, c'est assez lourd visiblement. Heureusement on a encore le boost. Allez, en avant. Alors, ah, on peut avoir un gadget. Alors, une sonde qui montre les ressources proches. Manuelite Régarède, une tubite de ressage. Ok, donc j'imagine que ça doit être ça le détecteur de métaux dont tu parlais, Wash. Alors, on peut produire de l'eau petit à petit à travers la condensation. On peut le détruire et gagner 2 cobalt. Bah non, effectivement, je comprends clairement l'intérêt de la probe. Alors par contre, comment on fait pour l'activer ? On fait pour l'activer. Ah, il y a un petit truc. Ah, faut faire E pour avoir un impulse. Ok. On a déjà ça à miner, donc pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. On a trouvé une petite veine là. On va faire de la place. On va en parquer 3 et on remonte. Allez, petit jetpack. Force. C'est l'heure de la bataille. C'est ralenti aussi quand on leur tire dessus, c'est assez plaisant. Oui, il y a plein de petites saloperies là. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est absolument pas optimal ce que je fais. Je me dis que ces trucs là, quand ils arrivent, ils explosent ou une connerie du style. Ok, je peux pas détruire les projectiles. Ok, on se remet au milieu. Est-ce qu'on peut pas se prendre quelques upgrades? Alors ce serait 14 pour augmenter la vie, rien que ça. 3 pour ça. On peut avoir une ligne de visée, oui, alors le laser c'est une ligne de visée à lui tout seul donc ça va. Par contre augmenter un petit peu la vitesse me paraît très intéressant. Ah, déjà on le sait, des trucs à ramasser. On dit sur les murs. Alors j'imagine que si je prends tout ça c'est mort hein. Ouais non c'est pas possible, on va en lâcher quelques-uns. J'aurais peut-être le temps de remonter juste d'ici la prochaine attaque, mais ce serait quand même un petit peu relou. Allez, on va prendre le truc et on va en profiter pour aller chercher un petit peu d'eau de rab. Et vu la vitesse qu'on a, il en a la moitié. On peut aller chercher les pépites qui. Oh. Va tellement vite que même nos rayons ils ont du mal à suivre. Parfait. Hop là. Alors, on a 5 trucs. Alors là-dessus on fait quoi? Donc quand on tire, on perd la vitesse, plus 78% de dommages quand même, hein. Et on a une chance. Ah oui, on les ralentit encore plus du coup. Ah, et ça, du coup, c'est exclusif après. Très bien. Ça, c'est quoi? Augmenter notre probe.
Ça coûte de l'eau. Alors améliorer ça, ça me paraît pas une priorité. Marin de la probe, on va essayer, tiens. Yep. La probe 2.0. Ça va être bientôt l'attaque, on va attendre là. J'imagine que tant que ça dézoome pas, c'est que c'est pas l'heure de l'attaque. Voilà. Bref, toi, t'es tué. On va essayer de nettoyer un côté cette fois pour pas perdre trop de temps. On s'est tellement défoncé pendant ce temps-là. Ce serait bien qu'on trouve un petit peu de cobalt. On va pas se mentir. On va descendre un petit peu. Donc si je me mets là et que je fais E. Parfait, c'était là. Une seule pépite, vous êtes sérieux? Tellement galère et c'est une seule pépite quoi. Ok, 3, c'est ce qu'on peut porter. On va en casser quelques autres pour que ça soit fait pendant qu'on a le temps. Et. Oh! En avant, on remonte ça, on va en avoir 6. Normalement, on va en avoir 10 en tout, je pense, largement. Donc là, on en a 6. On aurait 8 pour aller chercher ça. 8 pour ça, 10 pour la puissance. La puissance me paraît pas mal parce que, quand même, on galère à les tuer les mobs. Hein. Là, on fait 28 de dommages, là, on fait 50. Ah et c'est propre. On va se mettre en mode bataille puisque ça va bien pas tarder à arriver. Allez. C'est vrai que c'est un peu bizarre à maîtriser. Ok, on a la petite musique, c'est fini. Allons chercher. Alors, on va prendre ça. On a plus d'eau. On peut profiter de notre puissance, pas trop. Oh, on se calme. On prend ça. Hop. Hop. Et hop là. Alors j'espère que vous tournez, si vous entendez Chobiti en fond, elle est en train de faire du Guild Wars avec le Discord. Hein. Donc excusez-moi. Ok. On a ce qu'il faut. On va prendre ça. La patate. La patate. Alors les trucs exclusifs qu'on a derrière, c'est quoi? Alors, on bouge quasiment plus quand on tire, à la limite c'est pas très grave, on fait 120 de dommages. Ou alors, on installe une deuxième tourelle, mais comment on la dirige avec notre seule touche, ça doit être l'enfer. Et du coup elle fait moins de dommages par contre. Ok. Notre tour est pas en super état. Hein. Alors maintenant on doit pouvoir creuser ici. Ouais, du coup on va faire une petite... Hein. Parfait. Alors du coup, on a vu qu'il y avait un truc par ici, on va tout de suite aller chercher. Ok, c'est de l'or. C'est un peu tendu, mais ça peut passer. Pas. Pas très loin. Allez, go, go, go. Go, go, go.
Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie? Allez! Allez, 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 allez! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? On dirait des tours de siège, quoi. Bon, lui, il va nous atteindre. Heureusement qu'on a amélioré la tourelle, quoi. Ouf! On a réussi à éviter de justesse qu'il nous tape dessus. Très bien. On va ramener un petit peu plus de pépites. Voilà, 3, 3, c'est parfait, on en ramène 3. Oh. Bah qu'on retrouve de l'eau. Est-ce que le détecteur de métaux il peut trouver de l'eau, Squash? Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'il a déjà testé. Bon, sachant qu'on a plus de charge là, je sais pas comment on le recharge. Peut-être lui mettre des pépites. C'est trop. Oui, il peut détecter l'eau. Faut que je lui mette des pépites pour le recharger? Ça se passe. Je dirais pas. Bah j'ai l'impression que c'est ça, ouais, Zikino, parce que j'ai payé pour l'améliorer, ça a fait apparaître une deuxième bulle. Donc je pense que ça doit être les bulles à côté des ressources, ouais. On trouve plus de cobalt, mais on va peut-être pouvoir améliorer là. On a 13, on peut pas encore améliorer la vie, mais pas loin. On peut aussi améliorer la vitesse du laser, ouais. Améliorer notre drill encore un coup. Ça c'est exclusif, il faut de l'eau, et ça il faut de l'eau aussi. C'est quelque chose qui fait que il consomme moins d'eau. On est un petit peu tendu niveau vie, donc je pense qu'on va attendre d'en trouver 14 pour améliorer la... pour améliorer la vie du dôme. Je dirais bien de retourner dessus, il clignote. Ouais, j'ai vu qu'il clignotait, ouais, mais j'y étais avec mes trucs. Faut peut-être que j'arrive à mettre les... Quelque chose bouger là. Ah, voilà, je savais bien que j'avais vu. Qui sont là, je peux leur tirer dessus plus facilement. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai absolument pas envie que ça me touche. Ça commence à être tendu. Ah, faut que je pompe et ça le recharge. Ah bah voilà, parfait. Bon, ça va, si c'est que ça. C'est tranquille. On va remettre du coup une petite zone là. On va creuser. Oh, c'est pas ouf. En plus, c'est dans un endroit un peu dur, visiblement. Et c'est de l'or. Oh la vache. Oh. Purée. Bon, on va en prendre un petit peu, puis on va remonter. Hein. 3, ça nous permet au moins d'améliorer la vie de notre truc. Alors c'était qu'une impression au début, hein, Squash, hein. C'est pour ça que je posais la question, mais... Ça paraissait bizarre que ça vienne toujours de la gauche, on s'entend. Ok, on va se remettre au centre. Notre dôme commence à être un petit peu cassé. Il va falloir qu'on trouve du cobalt. Alors, ça vient d'où? Là, il y a un truc là. On commence à l'endommager, on va se buter devant. Quoi, on te défonce. On te fait un peu mal. Quoi, on te défonce. Toi, on te fait un peu mal. Quoi, on te défonce. Toi, faut qu'on te finisse.
Ça passe. Ça passe, ça passe. Faut qu'on trouve du cobalt. On va essayer d'aller un peu de ce côté-là pour... Ah, de l'eau. Déjà pas mal. Putain, il a rien détecté, quoi. Eh, t'es où, toi? Ok, on va remonter un peu d'eau, ça va aider l'arbre à se remettre à travailler. Hop, on pompe. On va aller chercher nos pépites. Rien de raté. En lire le chat, j'ai raté le virage. Tu réagissais au signe dès que l'aubergine était en bas à droite. Ah oui. Et tu sous-entends que c'est en bas à gauche, c'est ça? C'est ça que tu veux dire. Je comprends la méprise. Allez, ça va bientôt être l'assaut. On va pouvoir monter ça, mais je pense qu'avec 5 on fera rien. On va vérifier, mais. Ah, peut-être, remarque, on a un petit peu d'eau. Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer un truc là? Alors, ça fait quoi? On perd une charge. On augmente notre portée et il clignote pendant 6 secondes de plus. Ok. 4 charges, 4 tuiles. Alors actuellement il a quoi? 5 tuiles et 2 charges. Ok. 4 charges, 4 tuiles. Et la vitesse est plus rapide. Très bien. Ou alors on rajoute un module mémoire qui fait que les trucs sont marqués plus longtemps. Et le dernier c'est quoi? Ça se recharge tout seul dans le temps. Ouais, bon, c'est pas très utile pour l'instant d'améliorer ça, hein. C'est pas une priorité. Ça pourrait être pas mal. Alors le aimline, je suis pas bien sûr de voir l'intérêt dans notre contexte. Et on a quoi? On a de quoi faire pas mal de fruits, donc ça pourrait être pas mal. Augmenter la durée du fruit. On va se mettre en mode bataille. Alors, où est-ce que ça vient? Je suis suffisamment près là. Ah, il est pas mort. Ah, c'est un peu la teuf là. Toi t'es mort. Toi t'es mort. T'es pas mort, t'es mort. T'es là. Ok, ça devient un petit peu tendu. Il nous faudrait genre du cobalt, genre vite. Ici on n'avait rien trouvé de très très probant, on va essayer de descendre un peu. Lancer une petite vague là, là. T'as détecté des trucs là-bas. Okay. J'ai pas l'impression que. Y a une indication vraiment visuelle de la dureté des roches. Ah si, c'est peut-être un peu plus rond quand, quand c'est moins solide. Putain, on s'en fout des pépites. On s'en fout pas, mais. Non, pas du tout. Va falloir qu'on fasse le tour. Ouais, mais du coup, il va vouloir venir. Venez là. Allez, on n'a pas le temps de buller là. Ah, j'ai vrai, t'as raison. J'ai changé le. J'ai changé les infos du stream, mais pas le jeu. Il connaît Domekeeper. Il connaît Domekeeper. Merci, Oula, la touche qui bug du coup. Bon, on n'a pas trouvé de cobalt. On va pas se cacher que c'est un petit peu la merde. Niveau upgrade, est-ce qu'on peut faire un truc qui nous aiderait?
On a pas 8, donc on peut pas prendre ça. Alors les deux tourelles, je veux bien, hein. On pourra essayer. Et puis on va prendre ça, on a quand même ce qu'il faut comme... Ça peut nous faire gagner quelques précieuses secondes. Choisis celui où il n'y en a qu'un forcément. Bordel. Ok, ça va. C'était acceptable comme attaque. Alors, on a dit qu'on va aller chercher un petit peu de pépites. Et... Ah. Ensuite, un peu plus. Place pour les après. Hop, toi tu m'emmerdes, barre-toi. Je suis pas sûr qu'on aura le temps d'aller rechercher. Malheureusement, notre dôme est un petit peu dans le mal. Non, on a 7 quoi. Non, on n'aura pas le temps d'aller chercher. Faut au taquet. Il fallait 8 si on voulait améliorer la vitesse. On a trouvé plein de cobalt au début, mais après on en trouve plus du tout quoi. Et je sais pas si c'est scripté ou si c'était juste un coup de bol d'en trouver autant. Non, non. On se débarrasse des menaces les plus immédiates, à savoir toi. Non ! Notre dôme, elle est morue ! La Sadei ! On a survécu 18 waves pour 34 minutes, c'est pas mal pour un premier run. On s'en refait un. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fun. Update. Ça, du coup, vu que Anvil a duré un petit peu moins longtemps que prévu, on va peut-être du coup s'envisager un petit Domekeeper pour la semaine prochaine. Par contre, je préférais quand j'étais en jaune, là, l'espèce de ver vomi, là, il un peu. Et salut, Keke 30350, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue. Ah, on n'a pas les mêmes trucs. Si, on a complètement les mêmes trucs. Pardon, on a complètement les mêmes trucs. Donc on va prendre ça pour voir quand est-ce qu'ils arrivent. Et on est parti pour aller miner un peu. On va essayer de faire ça un peu plus logique dans l'exploration. Hop, on en prend 3. 3. Allez, 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 allez. On a le temps d'aller en rechercher 3 autres. Tout à fait, Zikino. Procédural, ça veut pas dire totalement aléatoire. Tu peux complètement mettre des paramètres, je suis d'accord. Subtilité, subtilité de développeur, mais subtilité quand même. Alors, on va tout de suite prendre la patate. On va aller miner un petit peu parce que il y a encore un peu de temps avant la première vague. Et on va pas partir trop loin, donc là non. Alors il faudrait qu'on soit à deux cases. Ok, on remonte. C'est l'assaut.
On est un petit peu juste. Oh, il est tellement lent notre laser. Ok. Bon, on va pas se mentir que le premier coup, j'avais aussi perdu vachement de temps parce que j'étais tranquillement en bas en train de faire mes trucs, j'avais pas du tout percuté qu'il y avait une attaque. Donc on avait déjà on avait commencé le jeu en perdant la moitié de la vie du dôme. Et oui, Squash, franchement, il me plaît bien le jeu. Pas dire le contraire. Il est assez plaisant. Le gameplay est un petit peu lent, je trouve toujours. Mais c'est assez agréable à jouer. Allez, on va aller tranquillou vers notre... Ah, on a de l'eau là, c'est parfait. Juste faire un chemin vers les pépites. Au début, c'est les pépites qu'il faut. Après, le fait que ça soit lent, ça donne la difficulté aussi, hein. Photo. Hein. Alors, niveau upgrade, on va prendre ça. Et du coup, on sait maintenant qu'il nous en reste 3. Dommage, j'espère en avoir 4 pour un petit drill. Et on n'a pas d'eau. Donc, allez vite fait chercher l'eau. On va prendre la durée de... La durée du fruit, là, avant de prendre le premier fruit. Hop, raid. Ce truc là, 40 secondes de durée, ça me paraît pas mal. Et on rentre en mode combat. Alors, il va venir de la gauche. Ou alors est-ce qu'il va venir de la droite? Ok, de la droite. Easy. Allez, on ramasse ça et on est parti. Continuez. Notre petit pattern. Ah, on connaît pas ça. Ah, c'est pas le même. Tout à l'heure c'était du cobalt violet, là c'est un truc vert du coup. Bon, on va agrandir le chemin vers le. Pendant qu'on a notre fruit. Je devrais orienter le forage sur un côté. Alors le problème en fait c'est que si j'oriente le forage comme ça, Soren, assez vite je tombe sur des roches qui sont trop dures. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour ça. Donc je pense que c'est fait pour que tu, voilà, comme dit Zikino, que tu creuses globalement quoi. En faisant plus ou moins un cercle à partir de l'entrée. C'est pas hyper dynamique mais c'est plein car tu n'as jamais le temps de t'ennuyer. Tu aimes ce mini stress latent qui est en arrière-plan. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympathique pour. Alors on en a 6. On va prendre la drill. Et donc là du coup. Ouais, ok, c'est une nouvelle ressource, le vert, mais ça reste exactement les mêmes prises. Pour avoir une couleur différente. Très bien. Donc se mettre en mode fight. En attendant qu'ils arrivent. Non. Échec. Terrible. J'ai pas pris du coup l'amélioration pour voir la vie, on va quand même la prendre. Hein. Ça paraît quand même plutôt un must-have, de toute façon il faut pour débloquer la suite. Go! On va quand même ramener ça. Le fruit va être bientôt prêt, mais j'ai pas envie de l'attendre tout de suite. Alors on va essayer d'aller par là. Ouais, ça fait plaisir d'améliorer le truc quand même. Ah, on a trouvé notre premier artefact. On va faire un peu de place pour venir le choper quand on aura le fruit. On va ramasser ça. Voilà, place.
Alors, ça vaut pas le coup de prendre le fruit pour aller chercher, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est faire un petit peu de place là, voilà. Pour pouvoir creuser ici. Ah là, tu vois, la roche est tellement dure que je peux pas y aller en fait. C'est l'assaut. On va ramener une pépite pour le plaisir. Alors, battle mode. Ah. Par contre, j'aime bien les petites bestioles comme ça. C'est qu'il y a un côté assez jouissif à se dire allez hop, balance ton laser et puis tu tranches dans les aliens comme un gros porc. On va pas se mentir, c'est plaisant. Un petit peu d'eau, ça c'est parfait. Allez, on va ramener ça. 4 on peut porter normalement, c'est juste, mais ça va. Et on va avoir assez de temps normalement pour prendre le fruit et aller taper un petit peu sur l'artefact. Ouf. C'est pas vraiment la relique du coup, c'est juste un gadget. Allez, 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 allez. Allez. La moitié du fruit, on pourra pas le ramener mais on va pouvoir au moins le dégager. Peut-être le ramener quand même. Pas le ramener. Cible. Trace. Dégainons le laser. Parce qu'ils arrivent ici. De saloperie qui vole là-haut. Ils font mal hein, les trucs qui volent là. On a 4 là et 6 pour améliorer ça. Par contre, on pourrait réparer un coup et améliorer la défense. On va le faire. Il nous reste un petit bonus de fruits, mais ça va pas être tout. Chercher le gadget. Oulala, c'est lourd. Ouais, on n'aura jamais eu le temps de le ramener, ça c'est sûr et certain. Ah mais non, mais en plus si tu fais n'importe quoi... Alors, Blast Mining. Ok, on peut mettre des mines explosives qui vont, enfin, miner de manière explosive pour détruire des blocs. Par contre, ça nous consomme de l'eau. Et c'est quand même pas idéal. On va garder la probe, je pense. La probe. On va servir pour trouver un axe de creusage. Pas ouf cette première probe là. Ah ok, il y a quand même une veine. Poser un petit peu. Parfait. Oh oui, c'est quand même une belle veine. On va en prendre un de plus et on part. Allez hop, go, 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 go. Petit jetpack. Fonce, petit jetpack, fonce. Battle mode, c'est parti. Alors qu'on améliore la puissance de notre laser bientôt. Toi, tu décèdes, ce sera fait. Très bien. Avec 7 là, on peut pas améliorer ça. Par contre, on peut améliorer la vie de notre truc. On va le faire. Et avec toutes les pépites qu'on a trouvées, on devrait pouvoir améliorer quelques trucs. Hop, un troisième. Allez, go. Arrête de te cogner dans les murs. Ouais, il est un petit peu plus dégagé, je suis d'accord, ça règne le territoire là.
un petit peu plus net. Ah bah on a un fruit. Ça et une pépite. Et on remonte. Hop, on va aller pomper là. Voilà. Et donc là, normalement, on est capable de prendre le niveau 2 de ça. Voilà. Et on n'a pas d'eau, malheureusement. Mais cela dit, on peut prendre notre vitesse. Vitesse du laser, je pense que ce sera la prochaine optique. On a un peu de temps encore. Je vais faire de la place ici. Voilà, comme ça on remonte facilement nos trouvailles. Et on est parti. Et ça travaille sur les doigts, hein. C'est pas les doigts que t'as l'habitude de faire travailler. Hein. Alors là, on a de la petite saloperie. On va mettre un petit coup. Mais non, clairement, c'est de l'autre côté. Quel danger! Échec, échec, double échec. Ça pique les fesses. T'avais pas tué toi? Bon. C'était pas ouf. On va pas se mentir. On a quelques trucs à ramener, on va donc en profiter, mais c'était pas ouf. Comme défense. Donc les petites saloperies qui courent là, effectivement, il vaut mieux les arrêter. Hop, là il y en a 3, c'est parfait. Là, voilà, ça sera fait. En avant. Hop. Et les dernières. Et on devrait pouvoir améliorer la vitesse de notre laser, voire peut-être de nouveau sa puissance. On va ramener les 4 là. Mais pas dans le trou, faites pas n'importe quoi. Voilà, allez on grimpe. Grimpe, on grimpe, on grimpe. Hop là. On va bouffer. Alors, oui, on peut prendre le power 2. C'est parti. Là. Et on est parti pour le fight. La vitesse, ce sera bien aussi, hein. Ok, il nous en faut un petit peu pour la vitesse. Ici, normalement, il n'y a rien. Je vais juste creuser ces deux-là pour être sûr. Ok. Allez, trouve-moi quelque chose. Putain, la vache, j'en ai rien trouvé. Ah, tant pis, on va fouiller à la main. Alors, deux. Parti. Ah, de l'eau. Ça c'est cool, 3 en plus. C'est sûr que c'est jamais exactement ce qu'on veut, hein, mais c'est pas grave, on va prendre ça, on va aller pomper un coup. Et on va essayer de trouver quelque chose un peu plus profond là. T'as rien trouvé, sérieusement. Tristesse. C'est le dur là. Dernier coup. Part, malheureusement.
avant. Remonte. On remonte. C'est par là. Non, je vais pas réussir à le choper. Bordel. Toi, je vais t'avoir par contre. Toi, pendant que t'es là, je te chope. Ça se passait de l'autre côté maintenant. Avec l'autre côté. Putain, c'est pas du tout bien placé là. Hein. Tirer, merde. Aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Bon appétit, Canton, merci d'être passé. Non, d'ailleurs, c'est Soren, excuse-moi, Canton. Tu disais bon appétit à Soren. Bon appétit, Soren, merci beaucoup d'être passé. Ah, un petit peu d'or. C'est bon. Beaucoup d'or. Hop, hop, hop. Non, j'en ai pas trop là. Rien. Allez. Hop. On a le temps de refaire une fournée. Pour aller chercher la vitesse du laser. Prends 3. Chope le quatrième au passage. Et on grimpe. En ligne droite, ça devrait le faire. Allez, hop là. Upgrade. On va prendre ça et on va prendre ça. Et c'est l'heure d'une bataille. Ouais, on va un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Merci de mourir. La vie, c'est compliqué quand même. Ce serait bien si on pouvait se trouver un petit bout de cobalt. Je vais prendre le fruit. On va essayer de fouiller un petit peu dans le coin là. Là. On n'avait pas complètement nettoyé. Que dalle. Nickel. De l'eau, c'est pas si mal, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et admettons. Oh, allez! Ah, parfait. Ok. On va pouvoir au moins faire une petite réparation. Ça. Hop là. Alors on a encore un petit peu de temps, on va les pomper. Ah. T'aimes bien le côté où je te maintiens en permanence sous pression et vu que c'est pas extrême, t'as beaucoup de plaisir. Ouais, j'avoue, mais je pense que pour le coup, ça serait quasiment un jeu où il faudrait que je sorte une manette, là. Parce que c'est vrai que les doigts, là, sur les touches, la main droite, elle a pas trop l'habitude. Du coup, ça pique un petit peu. Allez, baston ! Là. Merde. Ah ! Raté. Soyez ça, tant pis. Arrive. Ah, putain. Rêve. 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 Arrivé trop tard. Toi. Meurs. Ah là, puis il y a un petit coup de, quand on lâche le laser, il glisse encore un petit peu là. La main droite est la plus utilisée. Voyons, squash. Certains sont probablement mineurs ici.
Ça change pas grand chose, tu me diras. Tu nous trouves des trucs ou pas? Oui, bien. Alors, c'est vrai qu'on a encore des pépites là-bas. Bon, on a plein de pépites, il va falloir qu'on vise des améliorations. On ramène maximum, non là c'est trop maximum pour ramener 4, 3, allez. Toc. Peut-être le temps de faire deux trajets, mais c'est pas sûr. Non mais vous êtes sérieux. Bon bah, mort je pense. Mort. On va pomper. Va falloir qu'on augmente la vitesse de notre petit bonhomme là. Et 8 pour augmenter encore sa vitesse. Après peut-être que augmenter la puissance du laser ça serait pas mal parce qu'on va commencer à avoir les grosses tours là. Alors. On revient à toi. Ah putain. Yes. Ce serait quand même bien de trouver un petit peu de cobalt, hein. Après, on pourrait viser l'amélioration de la vie, on a peut-être suffisamment de pépites là. En plus. On a le fruit, on va utiliser le fruit pour faire un maximum d'aller-retour de pépites. Allez go, on plonge. En prendre 4 si on fait pas n'importe quoi. Allez. Que ça. Bon. Ah bordel, barrez-vous. Non, ça va être un peu chaud là. Hein. Soup. Drame, on a que 12. Ah oh là là, c'est terrible. On est mort. Il va revenir de ce côté-là. Par contre, on peut shooter celui-là. Ah putain. Tellement lent, on est tellement lent. Aïe. Aïe. Non, il va tirer. Qu'est-ce qu'on fout aussi bas? Sérieux? Crève. Bon. C'est tendu. C'est tendu. Genre tendu quoi. Vachement moins tenu que le premier coup pour le coup. J'ai peut-être trouvé un petit peu moins de cobalt. Au moins on va prendre ça, voilà. Aider un chouille, on va redescendre chercher encore un peu. Les 4 et les 4. On va avoir le temps.
Allez, petit jetpack, vol! De survivre. Vol si tu veux survivre. Alors, pour 5, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On pourrait prendre la ligne de tir. On va la prendre. Voilà, ça devrait nous aider à gagner peut-être un chouïa plus de temps en tirant. Ok, ça va. Bon, là on n'a plus rien. Alors qu'on mine ce gros truc là, on trouve quelque chose dedans. Et y a rien. Nickel. Ah. Y a des trucs, mais c'est hyper dur. De l'eau. Ok, c'est déjà pris. L'autre c'était par là. Donc j'oublie où c'était. Oh oui, du cobalt, on lâche tout. Prends, non, ça on lâche, ça on lâche. Ok, bon, pas pris exactement ce que je voulais, mais ça manque un peu de précision. On va pas se plaindre, on monte avec ça, on répare, on relance un fruit. Ça va être pas mal. Alors la possibilité de se dire on ne répare pas et on va chercher ça. Non, c'est 4 donc. Hop, voilà. Bataille. Alors lui on va attendre qu'il vienne, on va commencer à diminuer celui-là. Non, pas. Et... je sais plus si on a amélioré notre laser suffisamment. Bordel. C'était chaud. On a amélioré notre laser? Ouais, on l'a amélioré. Ok. On redescend. On redescend, on redescend, on redescend. Ta ta ta. Par ici, hein. Ça. Alors, un petit peu d'eau, un petit peu de cobalt. On va remonter ça. On va se faire une réparation supplémentaire comme ça. Puis on aura de l'eau pour nos améliorations. Besoin. Pompe. C'est cool parce que du coup, quel que soit le nombre de charges qu'on a, c'est aussi long de les recharger. Ça c'est très très bien. Un échec. Échec le signe. On aura des panneaux. Allez hop. Trappe ça. Trappe ça. On est reparti. Hop là, alors on va réparer un coup et on va attendre qu'ils arrivent. On a l'occasion de boire un peu d'eau. Vite, raté, tant pis. Ah. Allez, 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 allez. Oui. Passé.
Alors, trouvons-nous quelque chose à faire. Alors, on va arrêter l'épisode de VOD là. Ça me laisse le temps de me détendre un petit peu les mains. Si vous voulez faire un petit au revoir à la VOD, n'hésitez pas. On va essayer de continuer après le run. Mais là, j'ai la main qui, j'ai le doigt qui pique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.